Coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un joli haul encore. J'ai l'impression que plus ça va, plus les hauls montent en gamme, franchement avec de belles pépites. Cette vidéo inclut une collaboration commerciale puisqu'il y a certains produits que vous allez voir que j'ai reçus, d'autres que j'ai achetés. Et là, on va commencer tout de suite par mes achats à la journée gold de Sephora, à savoir que là, j'y suis allée en magasin. Vous le savez, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas toutes les marques dans mon Sephora à La Rochelle. Donc, j'ai pris le minimum, ce que j'ai trouvé qui m'intéressait. Et j'attends ce week-end pour pouvoir commander en ligne et là, pouvoir choper des petits trucs. Donc, il y aura une partie 2 à cette vidéo. Alors, mes achats à la journée Gold Sephora. Je porte tout. Vous allez voir là dans le haul là que je vous présente, je porte tout sur mon visage aujourd'hui. Alors, mais pour autant, je vais vous faire une petite vidéo crash test. Alors, enfin, en tout cas, application. Je pense que ce sera sur TikTok. On va voir. Alors, la première chose que j'ai pris, c'est chez Guerlain et c'est le fond de teint. Terracotta, fond de teint, perfection, naturel, fraîcheur, bonne mine, tenue 24 heures sans transfert. Il est magnifique, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Il est tellement beau. Alors oui, je suis un peu fade aujourd'hui, je suis un peu claire, puisque je sors après, donc déjà j'ai tranquille, tu vois, sur le make-up. Et c'est surtout que les teintes de la poudre que j'ai appliquée est un petit peu claire, ok. Donc je l'ai pris en teinte 3,5N. Voilà, c'est ma teinte d'hiver, hein. J'ai, comment dire, j'ai anticipé, j'ai pris direct ma teinte d'hiver, ok. Ce fond de teint, il est très joli, franchement, il est magnifique, vraiment naturel, avec pour autant une belle couvrance, il est parfumé, il sent extrêmement bon, il sent vraiment la Nivea, le propre et tout, j'adore. Et que vous dire de plus, le packaging est beau, c'est du Guerlain, c'est, voilà. Autant le parure. Le Parure Skin Gold, là, ou je sais plus quoi, j'avais pas aimé du tout, même la version matte, c'était pas beau sur moi, etc. Autant celui-ci, je trouve qu'il est vraiment naturel, il est vraiment très 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 joli. Donc, premier achat, voilà, de la maison Guerlain. Ensuite, de la maison Guerlain, pour toujours, pour continuer, c'est aussi quelque chose que je porte sur les lèvres. Et là, ceux et celles qui me connaissent savent directement ce que j'ai commandé. Et ben, je me suis fait plaisir encore avec un autre petit duo lèvres. Alors, il faut savoir une chose chez Sarah Chou, c'est que j'ai une obsession dans la vie pour tout ce qui est produit lèvres. Ok, il faut que ce soit repulpant, il faut que ce soit glossy, etc. J'ai une autre obsession, c'est tout ce qui est robe et jupe. Voilà, les robes, les jupes, c'est autant que tout ce qui est lèvres. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque j'aime, par exemple, un produit, vous remarquerez que lorsque j'aime un produit dans une marque, eh ben, je vais piocher plein de produits dans la marque. Donc là, en ce moment, vous voyez, mon kiff, c'est Guerlain. Voilà, donc je suis en mode, je découvre, j'achète des petits trucs Guerlain. Donc j'ai repris le combo Kiss Kiss Bigelow Baume, Kiss Kiss Bigelow Oil. Et là, j'ai la teinte 309. Kiss Kiss Honey Glow, la teinte. Alors écoutez, une chose incroyable, ma mère m'a devancé. Ma mère m'avait devancé. C'est ce que je porte sur les lèvres. Ça fait toujours bien évidemment un peu plus fade que ce que j'ai réellement. Pourquoi je vous dis que ma mère m'avait devancé? Parce qu'en fait, ma mère, cet hiver, donc l'hiver dernier, hein, ouais, c'est ça, à l'aéroport, ma mère a acheté ce baume à lèvres. Et elle m'avait dit en plus, attends, faut que tu le testes, il est trop bien, machin et tout. Je dis, oh, il est un peu trop clair, moi, avec ma carnation, il est un peu trop clair pour moi, etc. Et je suis passée à côté de ça déjà l'hiver dernier. Vous vous rendez compte que ma mère à l'aéroport avait acheté celui-là. Exactement le même, le 309. Et c'est la dernière fois, je vois, elle se maquille. Et je dis, mais attends, mais c'est quoi que t'as sur les lèvres? Alors qu'elle m'avait fait un haul. D'ailleurs, attendez les gars, je vais vous faire la routine de ma mère et sa routine make-up. Puisque ma mère, elle a la soixantaine passée. Elle a une peau mature, mais elle a une très très belle peau. Elle se maquille mais magnifiquement bien. Pile poil ce qu'il faut, là où il faut, avec des textures, etc. Avec l'aide de sa fille chérie, bien évidemment, hein, je la conseille sur certaines choses. Mais là, vous voyez, elle m'avait devancée, vous voyez, donc elle a été mieux que moi sur le coup. Et tout ça pour dire que son maquillage et surtout sa routine va vous intéresser. Donc je vais faire une vidéo complète maman, voilà. La skincare de maman, donc peau mature, et le make-up utilisé par maman, peau mature également. Et vous allez voir qu'en fond de teint, etc., il y a beaucoup d'inspiration de Sarah Chou. Dans la routine aussi, hein, je dis ça, je dis rien. Bref, vous verrez. Et donc, du coup, la dernière fois, c'est maquille tout. Je dis, mais attends, mais fais voir et tout. Je dis, lis-moi ce qu'il y a derrière. Parce que des fois, vous savez, ben, ma mère, voilà, elle a 60 et quelques années, elle fait pas trop attention, etc. Ça fait 20 fois qu'elle me voit en parler en vidéo. Ça fait 20 fois machin et elle a pas relevé, vous voyez. Puis je lui dis, lis-moi exactement ce qu'il y a derrière. Et là, elle me dit, Kiss Kiss Bigelow. Je dis, le chiffre, s'il te plaît, 309 Honey Glow. Je lui dis, c'est pas vrai que t'as un Kiss Kiss Glow.
Elle me dit, bah si, elle me dit, je vais acheter cet hiver, je t'avais montré à l'aéroport et tout. Bref, ma mère m'avait devancé, c'est incroyable, mais vrai. J'aurais pu découvrir ces pépites cet hiver quand elle m'a dit, tiens, essaye-le, et que j'ai dit, non, vas-y, ça va être trop clair et tout. Je ne savais pas que ça s'adaptait au pH des lèvres. Donc, mea culpa, maman, la prochaine fois, j'écouterai tes conseils. Quoi qu'il en soit, j'ai une obsession en ce moment pour ces dingueries, je trouve ça, mais tellement beau. Alors, c'est formulé à base d'ingrédients d'origine naturelle, donc tu as vraiment du soin. Ça te nourrit véritablement les lèvres. Alors là, quand je me vois dans le retour écran, c'est pas beau parce que ça fait vraiment fade, mais en réalité, faites-moi confiance, vous savez que c'est beau et ça se rapproche plus de cette couleur que ce que j'ai, ce qu'on peut voir là actuellement à la caméra. Le baume s'adapte au pH de tes lèvres, il va hydrater, nourrir, réparer tes lèvres parce que c'est fait à base de miel, etc. Et donner, va, comment dire, neutraliser ton hyperpigmentation des lèvres, ok? Auquel cas tu n'auras pas d'hyperpigmentation, ça va colorer naturellement, joliment tes lèvres. Et là, bim, tu viens rajouter l'huile et là tu vas me dire, mais est-ce que les deux sont nécessaires si tu veux un beau résultat? Oui, parce que l'huile, elle repulpe, mais sans le côté piquant, repulpant. Il y a de l'acide hyaluronique, du miel, etc. dedans, ça repulpe, ça lisse et ça te donne cette belle dimension et ça vient accentuer le côté révélateur de couleurs. Voilà, il m'en manque maintenant plus que 3 dans cette gamme. Donc là, le prochain achat, ce sera le 258, il me semble. C'est un rose beaucoup plus clair. C'est le rose le plus clair, en fait, de la gamme, très naturel, etc. Donc, je pense que je vais attendre la journée gold de Sephora en ligne pour m'acheter le 258 puisqu'il m'appelle, vous voyez. Donc, voilà. Ensuite, je me suis repris le Gimme Bro Volumizing Pencil de chez Benefit, mais en teinte 4 cette fois-ci, puisque j'avais la teinte 5 qui est vraiment un brun froid et j'aime pas. Donc là, j'ai pris ce marron un petit peu plus clair, vous voyez, et j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, ça c'est un crayon à sourcils qui donne de l'épaisseur, qui donne du volume en fait à tes sourcils. Et pour moi, c'est le meilleur. Franchement, concrètement, c'est vraiment le meilleur. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, si tu cherches de la précision, c'est pas celui-ci qu'il te faut, ok? Mais si tu cherches de l'épaisseur, du volume, etc., c'est celui qu'il te faut. Et pour autant, tu vois, j'arrive à travailler la précision quand même. Ensuite, alors ma fille m'a michetonné encore des boules de bain. Voilà, je lui ai pris je sais pas combien de boules de bain et d'étoiles de bain Sephora, puisqu'elle adore ça. C'est simple, pas une fois, j'ai le droit d'aller à Sephora sans lui acheter. Et vous savez quoi? J'ai enfin réussi à introduire l'alimentation solide le midi grâce à ces fameuses boules de bain. Voilà, en lui disant mange et je vais t'acheter des boules de bain. Et ben c'est bon. Voilà, maintenant c'est bon, c'est acté. J'ai plus besoin de faire de chantage. Mais quoi qu'il en soit, boules de bain Sephora, quoi, c'est toute sa life. Et la petite pochette gold, je vous montre le contenu. J'ai eu un masque vitamine papaye, vitamine C. Bon alors, ça m'intéresse pas forcément, mais on va faire l'effort de le tester, ok. J'ai eu un patch de chez Peace Out, ouais, je pense, acné, voilà, c'est un patch pour les boutons qui contient du rétinol, de l'acide salicylique, de l'aloe vera. J'ai hâte de le tester puisque vous savez que moi je jure que par les acnémies. J'ai un gros bouton là d'ailleurs qui m'a poussé à cause du peptide de cuivre, merci bien. Un vernis top coat, j'en ai absolument pas besoin, je mets pas de vernis, mais bon, voilà. Et là, je suis contente et pas contente. Alors, je suis contente parce que j'adore l'odeur, le Absolu Repair Moléculaire de chez L'Oréal, et je vais le garder juste pour son odeur. En 75 ml, je vous ai déjà dit, ça sent le parfum Reveal pour homme de chez Calvin Klein qui a été arrêté. Mais cette odeur, je meurs pour cette odeur, je meurs pour cette odeur. J'aime pas la gamme, j'ai pas eu de résultat avec la gamme, mais rien que pour l'odeur, je garde. Parce que j'adore l'odeur, cette odeur m'enivre, vous voyez. Bref, voilà, donc écoutez, pochon gold, ouais, ça va, peut mieux faire, mais ça va, voilà. Enfin, en fait, non, la vérité, c'est que c'est lui qui rattrape tout, le reste, sinon, c'est pour moi nul, voilà, concrètement, nul, ça, oui, ok. Donc, mais comme dit, c'est que le début de mes achats, journée gold, Sephora, la suite dans un prochain épisode. Maintenant, j'ai passé une petite commande de maquillage sur Beauty Bay et je vous montre tout de suite. C'est également ce que je porte aujourd'hui en termes de make-up. Un nouvel anti-cerne, c'est l'anti-cerne que je porte aujourd'hui. Franchement, je vais vous en reparler dans les favoris et flops parce que il mérite quand même plus d'explications, donc je ne vais pas trop vous en dire là. C'est le de chez Nabla, le Regeneration. C'est un correcteur crème liftant à petit prix. Nabla, c'est à petit prix quand même. Alors déjà, s'il vous plaît, le packaging. Non mais le packaging, allô, mais je trouve mais tellement beau, tellement classe, regardez les détails et tout, il est magnifique. Hop, voilà, je l'ai pris en teinte cream beige, il est un chouïa clair, j'aurais dû prendre un petit peu plus foncé, mais franchement je vais vous en reparler parce qu'il est plutôt pas mal. Ensuite, tous les liens seront en barre d'infos les gars, hein, comme d'habitude. Ensuite, je me suis pris le close-up
Smoothing Pressed Powder de chez Nabla en teinte médium. Et là encore, c'est trop clair. C'est ce que je porte aujourd'hui, c'est ce qui fait que je parais un peu fadasse. Une poudre lissante, smoothante, voilà. Matifiante aussi également. Je vous en reparle très bientôt, puisque j'ai déjà un avis. Et je me suis pris, c'est à cause de lui en fait, que tout est parti en cacahuète et que j'ai passé cette commande chez Nabla. C'est à cause de ce blush là, à cause de plus précisément Madame Elgia. Voilà, Madame ma petite Elgia. Donc j'ai pris la teinte Paradise. Vous avez vu, aujourd'hui je mets l'accent. Hein. Blush lissant, t'as capté. C'est le blush que je porte aujourd'hui. Je vais en remettre une petite couche parce qu'effectivement, il ne se voit pas trop en caméra. Il est très joli. On en reparlera aussi. Je vais vous présenter après là, ce petit pinceau tarte là. J'ai des petits trucs tarte à vous présenter. Très beau. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus pigmenté, mais franchement, il est quand même très très beau. Je vous en reparlerai, laissez-moi quelques jours. De toute façon, je vais vous faire une vidéo make-up où du coup, je vais appliquer là tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et comme ça, vous verrez mieux en application. Et comme ça, je pourrai vous parler mieux de chaque produit, à valoir si ça vaut vraiment le coup, malgré que ce soit du petit prix, etc. Donc voici pour ma petite commande Beauty Bay. Maintenant, on va passer à My Little Box qui m'a envoyé ce petit pochon tarte, c'est la box du mois, voilà. Little Box, c'est une box en fait que vous pouvez acheter tous les mois avec engagement ou sans engagement. Là, en l'occurrence, vous pouvez choisir de prendre sans engagement pour bénéficier uniquement de la box. Avec le code TARTE10 qui sera listé avec le lien en barre d'infos, vous aurez 10% sur la box. Et franchement, elle est plutôt pas mal. Vous avez donc ce pinceau double embout avec un côté Beauty Blender, un côté plat et un côté rond. Vous avez ce pinceau qui est d'une douceur mais incroyable, mais vrai. Vous pouvez mettre votre blush, vous pouvez mettre votre bronzer. Franchement, je le trouve plutôt pas mal. Vous avez également des barrettes comme ça que ma fille m'a déjà chouré. Bah oui, bien sûr, sinon c'est pas drôle d'avoir une fille. Voilà, des petites barrettes comme ça pour ne pas défaire en fait vos mèches quand vous les avez lissées et qui vont vous permettre de vous maquiller. Voilà. Donc vous en aviez deux comme ça et deux comme ça. Franchement, elles sont mignonnes. Voilà, rien à dire. Ça sert toujours, c'est toujours pratique. Donc c'est vraiment une box Tarte, hein, en collab avec Tarte, donc tout est Tarte. Vous avez une petite barrette comme ça qui va être utilisée ben, juste après cette vidéo. C'était la négociation faite du midi, voilà, par ma fille. Elle est trop mignonne, franchement, elle est vraiment très jolie. Faites un petit chignon bas, vous la mettez, elle est très très jolie. Ensuite, j'ai eu en teinte 16N, vous imaginez bien que c'est pas ma teinte, de chez Tarte, le Shape Tape, mais radiant. Vous savez, celui qui est un petit peu lumineux, radiant, concealer, correcteur d'éclat. Donc là il est forcément trop clair pour moi, mais voyez, en petit format pour tester, je trouve ça pas mal. Vous aviez aussi également dedans le mascara que je porte aujourd'hui, et franchement il est plutôt pas mal. Attendez, je vous montre, regardez, belle longueur, belle définition, beau volume, belle noirceur, et en fait ça fait presque un peu comme féline, tu vois, il sépare en douceur, en longueur, qui fait presque un peu féline, je trouve. Il est pas mal, c'est un petit format comme ça du mascara Manizer, ouais, de chez Tarte. Et franchement, belle découverte, vraiment il fait un côté féline en fait, je sais pas si vous voyez vous. Bref, et le dernier produit, c'est un grand format du Maracuja Juicy Lip en teinte grapefruit. Il est un peu trop clair pour moi, vous savez, avec mes lèvres hyper pigmentées. C'est bien pour ça que j'adore les produits Lancôme, parce que c'est un chouïa clair, voyez. Alors vous aurez peut-être l'impression que c'est ce que j'ai sur les lèvres, mais pas du tout. Voilà. Donc écoutez, moi je trouve que c'est une box, encore une fois, qui vaut le coup. La précédente, la rentrée, la celle de la rentrée, elle était hyper intéressante aussi. Celle-ci, je la trouve aussi pas mal pour découvrir avec le pinceau, etc. C'est plutôt pas mal. Ensuite, pour le make-up, c'est tout. On va passer à un colis que j'ai reçu. Et là, ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà découvert puisque j'ai unboxé la chose avec vous. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, sarachou777, j'y partage beauté, cuisine, skincare, tourisme. L'une d'entre vous m'a dit Sarachou tourisme, on adore aussi. Parce que je ne suis pas un peu fière de ma ville, La Rochelle, j'aime trop. Notamment, regardez, les petites crottes de mouettes, spécialité rochelaise, n'est-ce pas? Bref, tu t'emportes. Je vous dévoile le truc tout de suite. Voilà, Cure & Body m'a envoyé leur petite nouveauté, qui est le masque deuxième génération. Attention,
Donc voici comment il se présente. T'es sur un masque en coque, flexible, ok, qui prend le coup, là aussi, qui prend, voilà, le double menton, ok. Franchement, génialissime. Je suis en plein test, donc là, j'ai arrêté le nuance pour tester uniquement celui-ci et voir si je vois une différence. Quoi qu'il en soit, en termes techniques, voilà, vous aurez le lien en barre d'infos, je vous laisse aller faire les comparaisons, etc. Moins 10% sur tout le site Cure & Body, y compris tout ce qui est skincare, avec le code SARACHOU. Voilà, et ça, c'est un code permanent à l'année, vous voyez. Non, je suis maquillée, je vais pas le faire. Télécommande qui maintenant est dotée d'un petit clip comme ça pour le clipper directement à ton vêtement. Pas de minuteur voyant, mais un petit minuteur quand même. Tu le recharges ici une fois qu'il n'y a plus de batterie. Et voilà, et c'est parti pour ta séance de 10 petites minutes. Il est très confortable. Écoutez, pour l'instant, j'en suis très contente. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Puisque, en plus, vous avez été nombreux et nombreuses, alors non, nombreuses, sur Insta à me demander quand il est sorti. Sarah, t'as vu, qu'est-ce que t'en penses? J'y sais pas, j'y ai pas testé, j'y sais pas. Je peux pas émettre un avis comme ça sans l'avoir testé. Contrairement à d'autres personnes qui vont émettre un avis en se basant, comme je vous dis toujours, il y a la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'en théorie, les trois masques LED se valent quasiment sur le papier. Et puis en théorie, il y en a un qui ressort mieux, un qui a plus d'effet, un qui... Voilà, ok. Donc justement, ça va être mon affaire que de tester pour vous donner mon avis et savoir si il est efficace, s'il vaut le coup, etc. En tout cas, franchement, vous voyez, il est quand même vraiment bien flexible. C'est le coque, mais complètement flexible. Ok, très confortable comme dit. Contrairement au premier qui me faisait mal aux oreilles et au nez, là j'ai mal nulle part quand je fais ma séance hebdomadaire. Journalière, pardon. Ensuite... Talika, j'ai repassé commande moi-même. Hein. Je me suis repris le buste sérum. Franchement, le buste sérum de chez Talika, écoutez les gars, c'est simple. Je rêvais de cette poitrine. J'en rêvais de cette poitrine. Vraiment. Vous savez, j'ai allaité d'abord mon fils. Longtemps après, j'ai allaité 2 ans ma fille. Ma poitrine a pris un coup la première fois plus même que la deuxième. Quoi qu'il en soit, après l'allaitement, voilà, la peau était relâchée, etc. etc. Hein. Du coup, on est... Voilà, voilà, mon explication c'est piou, piou, piou. Va voir dans mes derniers favoris du mois, je t'en ai parlé. Vraiment, ce truc fonctionne. Vraiment, ça fonctionne et je ne vais plus l'arrêter. C'est assez économique finalement parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Donc c'est un produit, c'est le Boost Phytosérum. Sérum effet push-up naturel, volume, lift, fermeté. Ça va jouer et sur l'aspect de la peau de ta poitrine et sur le volume, le galbe de ton sein, réellement. Parce que là, en fait, en gros, l'actif qu'il y a dedans qui va jouer sur ça, c'est... l'inverse de la caféine, en fait, c'est-à-dire que la caféine déstocke, comme je te l'expliquais, dissout les graisses, et là, ça vient amasser au même endroit, donc tu masses tes seins, là, tous les jours, quotidiennement, là, et voilà, tu gagnes presque une taille de bonnet, moi, en tout cas, j'ai presque gagné une taille de bonnet, mais c'est surtout que j'ai gagné un sein plus rond, plus beau, plus galbé, et la fraîcheur, pourquoi? Pour le côté fermeté et peau un peu plus lisse, tu vois. Donc, parce que j'ai des vergitures et j'avais la poitrine relâchée, ok. Donc, je suis extrêmement contente de ce produit que j'ai pas du tout envie d'arrêter, en fait. Ça sent bon, ça peluche pas, c'est agréable, c'est rapide, fluide. De toute façon, moi, je fais du zoning, vous le savez, je fais du zoning tous les jours, je fais ma routine corps tous les jours pendant ma séance de masque LED, ok. Donc, c'est obligatoire, tu vois. Et alors là, ce soin, je trouve qu'il est magnifique. Talika, moins 10% ou moins 20%, lien en barre d'infos, le code SARACHOU10 ou SARACHOU20. Donc, je me suis pris ça. Je me suis repris des petits patchs, les Eye Therapy pour le contour des yeux. Ceux-là, c'est ceux qui sont réutilisables. Je me suis également repris les Eye Calm Patch. Ceux-là, c'est ceux qui ont du CBD qui vont et calmer, apaiser et avoir un côté anti-poche. Okay, ceux-là, ils sont lissants et un chouïa hydratant. Ceux-là, ils sont anti-poche et décongestionnants. Ensuite, je me suis pris le bio-enzyme masque éclaircissant, masque seconde peau en biocellulose qui illumine, unifie le teint, éclaircit et hydrate. Et j'ai pris également le Cica Repair apaisant masque SOS réparateur en biocellulose. Donc ces deux-là, pareil, je vais les tester, je vous en reparlerai, parce que je ne les ai jamais testés ces deux-là. Okay, vous savez que moi, mon favori, c'est le Bubble, mais c'est surtout que je les ai pris, donc notamment celui-ci aussi, bon, pour le tester, pour le côté anti-tache, etc. Mais pour ma maman, parce que je sais que ma maman, c'est un masque qui va l'intéresser. Elle va me dire, Sarah, qu'est-ce que t'en penses? Donc attends, je teste après, je te commande si ça va.
Voilà, c'est tout pour Talika. Ensuite, des labs, j'ai bien évidemment recommandé mon procollagène minceur au kiwi, parce que la veine commençait à me gratter. Hein. Je commençais à me faire des crises de bouffe, de sucre, c'était catastrophique. Donc bien évidemment que j'ai recommandé, je ne peux pas faire sans. J'ai quand même perdu en 2 mois 6,5 kg, vous le savez, et j'ai continué. En tout, je suis à 15 kg. J'ai perdu 15 kg en fait, en tout. Je n'arrêterai pas, je n'arrêterai pas. Je me ruine, mais je n'arrêterai pas. Alors oui, ça a effectivement un coût, ça revient à 50 € par mois, le procollagène, mais dedans, comme je le répète, à chaque fois, tu as ton procollagène, visage, cheveux, corps, tu as de qualité, hein, bien évidemment, tu as également tes actifs minceurs. Moi, finalement, je fais des économies puisque je mange plus le soir. J'ai plus de fringales sucrées, etc. Donc, je rentre largement dans mes clous, hein. Donc ça je l'arrêterai pas, j'ai trop de bénéfices avec, et surtout le fait de ne plus avoir de fringales sucrées, ça m'arrange, et de ne plus manger le soir, ça m'arrange aussi, vous voyez. Délab, lorsque vous commandez pour 100 €, mon code Sarachou Délab 15 passe sur tout le site, y compris l'anti-gaspi, hein, ok. T'arrives à 100 €, admettons, ou moins, hein, mais quand t'arrives à 100 €, tu mets mon code, tu redescends à 85 €, ok. 85 €, tu as quand même, parce qu'à partir de 100 € d'achat, tu as une cure offerte. Et là, la cure qui était offerte, c'était la Pro Collagène Minceur 14 jours au kiwi en stick. Et ça, c'est génial, puisque pour voyager, tu vois, ou quand tu travailles, tu n'as pas le temps le matin, tatatatata, voilà, tu te l'emmènes, tu l'as en nomade, c'est génial. Donc ça, c'était offert, donc merci des labs. Également offert à chaque fois, dans chaque commande, vous avez un petit format de 7 jours d'une cure au choix. Donc là, moi, j'ai pris le détox foie. Purifie l'organisme, c'est pas plus mal, comme j'ai arrêté de fumer, bon, il y a 3 mois maintenant, mais 3 mois déjà, les gars, vous vous rendez compte ou pas? 3 mois déjà maintenant, merci, ça me fera pas de mal, vous voyez. Et je me suis pris l'absolu de collagène, mais en comprimé, puisque là, je viens juste d'arrêter le pro-collagène anti-tache, et ben, mine de rien, j'avais quand même l'habitude de cumuler 2 collagènes, donc ben, voilà, comme ça, je me rajoute ça, voilà. Ensuite, nuance, petite commande nuance. Alors, le sérum hydratant repulpant multiactif 5 acides hyaluroniques, c'est ce petit sérum comme ça, antioxydant, qui va venir repulper ta peau, bourré d'antioxydants, donc anti-âge, et qui a une texture ultra fluide. En fait, c'est de l'eau qui pénètre dans ta peau, qui te repulpe ta peau immédiatement, mais sans aucun effet de matière. Franchement, ce truc est fabuleux. Maintenant, la première fois que je l'ai testé, donc il y a 2 ans maintenant, je ne l'avais pas supporté. Ça me faisait des... parce qu'il y a un acide hyaluronique que je ne supporte pas. Et donc, ça me faisait des petites rougeurs. Donc là, je le reteste. Écoutez, pour l'instant, ça va, mais on va voir. Nuance, moins 15% sur tout le site avec mon code SARACHOU15. Ça marchera Beautytech sur tout. Ensuite, le sérum jeunesse 2% peptide de cuivre. Donc, de chez Nuance. Alors ça, je l'ai pris pour mon contour des yeux. Parce que vous le savez, pour le contour des yeux, maintenant, j'ai décidé d'utiliser des peptides de cuivre. Et là, je le fais assidûment depuis quelques jours. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis pris un... J'ai profité des moins 15 plus moins 15 pour me faire cette petite commande. Sérum bulle d'hydratation apaisant et régénérant. C'est le sérum, vous savez, que j'utilise en contour des yeux pour repulper mon contour de l'œil. Hydraté, etc. J'ai repris mon soin intense contour des yeux, of course, bien évidemment. Et le dernier produit, c'est le rétinol, le soin concentré anti-âge de nuit 1%. Je ne suis pas encore au 1%, je suis toujours au 0,6 pour l'instant. Mais comme vous savez qu'en 2025, la loi sur le rétinol va changer. On n'aura plus de gros dosages, comme le 1% ou le 0,6, on n'aura plus que du 0,3. Donc je commence à faire mon petit stock, gentiment mais proprement. Ok. Et dernier produit, je me suis commandé ça sur Amazon parce que vous savez que franchement, s'il y a des crèmes que j'aime énormément pour tous les jours, c'est les Mixa. Ce pot là, il coûte 4 balles, je te mets le lien en barre d'infos. C'est le crème Sika Réparation Réparatrice Lissante. Ça hydrate, ça nourrit, ça répare et ça lisse. Tu veux quoi de plus? Ça coûte 4 balles. Dedans, tu as de l'urée du niacinamide, 10%. Elles sont géniales, ces crèmes. C'est ma petite Mimi. Coucou Mimi qui m'avait fait découvrir ces crèmes, j'en ai 3. J'ai la fondante qui est parfumée, qui sent très bon, qui est très légère. J'ai la céramide qui répare, hydratante, protège. Et là donc j'ai eu envie de tester celle-ci en réparation, voilà, et réparation et lissante, tu vois. Sur, tu vois, les petites aspérités de la peau là, sur les fesses, les jambes, etc. Topissime. Donc voilà les filles et les garçons pour ce haul de folie.
Voilà, il n'y a pas un produit à jeter à la poubelle. Franchement, ils sont trop bien, mes produits, je trouve. Donc, petit tuto make-up à venir bientôt. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez fait les journées gold de Sephora, est-ce que vous avez acheté? Mettez-moi un pouce pour la partie 2, ok? Et je vous fais de gros bisous et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!